version de la loi numéro 2011-11 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions d'ordonnance numéro 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation d'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, je vous déclare mariée. Voilà,
Leurs enfants, les deux enfants appartiennent aux deux familles avant d'être unis aujourd'hui. Et ce n'est que une façon de célébrer ça ouvertement, parce qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Donc, ces deux enfants de la même famille qui voudraient dire au monde entier que on peut se rencontrer quand on est jeune et être fidèle. Hein?
Je voudrais, sur vos acclamations, dire merci à la chorale Pupita Michel. Sur vos acclamations, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit tantôt, les mariés, la mariée surtout, a chanté pendant une 15 ans. Je voudrais une fois de plus dire merci à tous ceux qui ont pris sur le temps. Parce que être ici aujourd'hui, beaucoup ont fait des sacrifices. Votre présence parmi nous, je dis merci pour ce qui est en Afrique, quand on est en face. Pour commencer, je vais utiliser un mot aux invités qui sont venus aujourd'hui, honorés aujourd'hui. Alors je te passe le micro pour que tu dises quelque chose aux invités. Je remercie tout le monde qui est là. C'est un immense plaisir, ma femme et moi. C'est une joie qui est pas mesurable pour nous d'être entourés de cette manière. Mais nous disons merci au Seigneur qu'avec notre famille, qu'avec nos amis, nous ayons passé des moments difficiles et que quand même un jour, qu'on puisse avoir la possibilité de nous réunir pour une joie. Ce n'est pas une joie pour ma femme et moi seulement, mais c'est une joie pour nous tous. Et que cela puisse s'exprimer de bonne manière. Que ce qui a été prévu pour nous, que cela nous serve pour avoir plus de force pour danser, pour se trémousser. Nous disons encore merci et bon appétit à tout le monde. Merci. Nous te remercions, car c'est toi qui as voulu que nous soyons en joie ce jour-ci. Tu nous as appelés de part et d'autre pour que nous puissions nous rencontrer pour ce mariage. Pour cela, Seigneur, nous te prions d'être avec nous pendant ce moment de joie. Nous te prions également à l'intention de cet événement de bénir ce repas, de le sanctifier, pour que nous puissions te louer davantage et de nous accompagner durant ce moment de joie. Avec tout ce que tu as dansé, c'est tout ce que tu parles. Allez, comme tu as tout dansé, c'est tout ce que tu parles. Bon appétit. Bravo. Généralement, à l'occasion de la remise des cadeaux, on ne fait pas de discours. Mais on ne le fait pas parce que les gens, il y en a tellement qu'il ne peut pas avoir temps pour tout le monde. Mais comme nous avons la chance d'ouvrir le bal, n'est-ce pas, on peut se permettre de dire deux mots. Je voudrais dire à nos chères Rose, Mélanie et Emmanuel qu'à l'occasion de cet événement marquant de leur vie, nous implorons le Très-Haut
de le conserver à chacun pour l'autre le même cœur et les mêmes yeux que quand vous êtes connus. Ceci afin que votre extraordinaire amour ne s'éteigne jamais. Voilà. Nous avons donc tenu ce cadeau, mais très symbolique pour matérialiser notre témoignage. Nous avons été témoignage de ce qui est en train de se passer. Cher oncle, nous te remercions aussi pour ce beau discours que tu viens de prononcer. Comme je l'ai dit aussi déjà, ce sont des jumeaux de... Les amis peuvent être aujourd'hui. Les couples vont se former pour danser comme eux.